Eh bien, bonjour à vous tous, c'est Nectal, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, aujourd'hui, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment connecter une manette sur PC. Manette de PS4, PS5, Xbox, n'importe quelle manette, vous pourrez connecter sur votre PC. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment connecter une manette sur PC. Avant de débuter la vidéo, n'hésite vraiment pas à mettre ton petit like, ça me ferait super plaisir. Si ce tuto t'a aidé frérot, bah mets ton petit like, ça me remercierait pour la vidéo que j'ai fait. N'hésite pas aussi à t'abonner en activant la cloche de notification. Si tu veux suivre tout ce genre de petits tutos, tous vos problèmes que vous avez, je vous les règle sous forme de vidéo. Donc n'hésite vraiment pas. Et si tu actives la cloche de notification, je te remercie. Je fais passer par exemple 10 personnes à l'écran. Ces 10 dernières personnes, elles ont activé la cloche quand elles se sont abonnées. Donc merci à elles, donc n'hésite pas à le faire si tu veux pas dans la vidéo. Bref, du coup les gars, aujourd'hui, je vais vous montrer comment connecter une manette sur PC. Alors pour ma part là, j'utilise une manette de PS4, c'est ce que les gens ont le plus souvent. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais activer mon téléphone, je vais vous filmer directement pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Donc je vais aller sur vidéo, attendez, tac, je filme. Donc, alors, là c'est ma manette, on va faire le petit focus, voilà, tac. Alors là j'ai une manette de PS4. La qualité est pas ouf, voilà. J'ai une manette de PS4 juste ici. Il vous faudra donc une manette de PS4, un PC. Pour ma part c'est un PC portable, mais vous pouvez avoir un PC fixe, bon c'est logique. De toute façon c'est un PC, il vous faudra un câble USB vers le type comme si vous y avez un Nokia. Comme les Nokia, les vieux ports que vous y avez il y a longtemps. Je vous montre les ports, ce que c'est ça, regardez, hop. C'est ces types là qu'il nous faut. Alors faites gaffe, il y a les trois quarts des câbles qui ne fonctionnent pas. Alors après, si ça ne fonctionne pas, je vais vous montrer aussi comment le connecter en USB. Donc vous inquiétez pas, si par câble ça marche pas, je vais vous montrer comment vous le connecter en USB. Donc faudra brancher ici ce câble là, ce bout là, faudra le brancher derrière juste ici. Et puis l'USB le brancher sur le port USB juste ici, voilà. Et vous le brancherez et je vais vous montrer la suite. Donc on se retrouve sur mon PC, je vais brancher du coup ce câble USB app sur mon PC, tac, voilà, et je le branche derrière sur la manette. Et normalement, si tout se passe bien, vous n'avez aucun réglage à faire pour votre manette, et normalement, directement, ça marche. Vous pouvez faire carré, comme ce qu'ils vous disent pour aller dans le menu de Fortnite, sur tous les jeux ça marche sauf sur GTA, il faut une manette d'Xbox. Mais si ça marche pas, comment faire? Et bah je vais vous montrer comment le connecter en USB. Par contre le seul problème c'est qu'il faudra recharger votre manette de temps en temps, parce que là je suis par câble, donc en même temps que je joue la manette charge, donc il n'y a pas besoin de la décharger et sera toujours chargée. Mais par contre en USB, quand vous jouez plus, faudra la recharger, parce que une manette sans qu'elle soit branchée elle se décharge. Donc je vais vous montrer de toute façon comment l'utiliser en USB. C'est même plus pratique qu'en câble, parce qu'en câble vous avez un câble, que en USB vous avez même pas besoin de brancher de câble. Donc je vais vous montrer tout ça en USB. Donc je débranche le câble du PC et là je vais vous montrer comment le connecter. Donc je vais reprendre mon téléphone, je vais vous refilmer ma manette, parce que je vais vous montrer, ça va être un peu plus technique pour connecter en USB. Je vais vous montrer aussi dans quels paramètres faudra aller. Tac, je baisse un peu la luminosité, je bloque, tac. Donc voilà, alors là je suis sur ma manette qui est juste ici. Attendez, je fais le focus parce que l'écran fait mal le focus. Donc vous avez la manette, faudra cliquer juste ici. Normalement sur Xbox vous avez la même chose, juste ici et ici en même temps. C'est à dire je vais cliquer là et là pendant 5 secondes en même temps. On attend 5 secondes et au bout des 5 secondes la manette juste ici et fait des clignotements. Ça veut dire que le Bluetooth de la manette s'est activé. On retourne sur le PC. Donc, alors nous revoilà sur le PC, on va vite aller ici, on va cliquer sur Bluetooth et autres paramètres. On va aller après juste ici, normalement le Bluetooth ici est désactivé, normalement vous devez faire activer le Bluetooth. Après vous cliquez sur la croix, tac, comme ceci, et vous cliquez sur Bluetooth. Vous attendez que ça charge, et là normalement votre manette est détectée par le Bluetooth, vous faites connexion. Et là, comme par magie, la manette de PS4 ou de PS5, etc. s'est connectée
à votre PC, vous faites OK, et vous après, pour le Bluetooth, vous n'aurez plus qu'à activer le Bluetooth, et la manette sera automatiquement détectée ici, vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur croix. Si, entre-temps, vous cliquez ici, vous faites paramètres, etc., vous faites Bluetooth, et que votre manette ne clignote plus, c'est que son Bluetooth est désactivé, vous avez mis trop de temps pour aller dans le Bluetooth, donc c'est pas grave, refaites Shark, et refaites le bouton Play en même temps pendant 5 secondes pour réactiver le Bluetooth de la manette. Et normalement, quand je vais sur Fortnite, comme vous voyez, là je suis en Bluetooth, je n'ai pas de câble et ça fonctionne très bien. Je peux aller, regardez, tac, 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 il y a vraiment une précision très rapide, vraiment. Vraiment pour un Bluetooth, c'est très rapide. Je trouve que pour ce Bluetooth, c'est très très rapide. Je trouve ça super. Donc n'hésitez pas à me poser en commentaire vos questions si vous n'y arrivez pas à connecter le Bluetooth à votre manette ou si vous n'arrivez pas à connecter votre manette par câble. J'y répondrai sous les 24 heures environ. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche si vous voulez passer à l'écran. Bref, merci à vous. Bonne journée. Allez, ciao.